Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui au programme Méditation du rire. Alors avant de commencer, si tu le souhaites, tu peux cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo pour t'abonner. Et si à la fin de la vidéo, le contenu t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Alors, initiation au yoga du rire aujourd'hui. Donc je dis bien initiation et pas méditation du rire, parce que je ne suis pas professeur de yoga du rire spécialisé et formé pour ça. Par contre, j'ai une énorme estime pour cette pratique qui, je trouve, est extrêmement libératrice et qu'elle peut faire sortir beaucoup de choses inconscientes. Je pense que vraiment elle est bénéfique en tout point et de plus en plus dans les ashrams en Inde. C'est d'ailleurs là-bas que je l'ai découvert. Enfin, je ne l'ai pas découvert dans un ashram, mais j'ai entendu que dans un autre ashram, il le faisait. Et je me suis dit, purée, c'est dingue. Et pour l'avoir un petit peu fait, c'est vrai que ça libère beaucoup de choses. Et surtout, on se rend compte nous-mêmes de nos schémas inconscients quand on se bloque à ne pas vouloir le faire. C'est pour ça qu'on va un peu s'entraîner aujourd'hui. Alors, première partie théorique, le rire. Quand vous rigolez, quand vous faites un faux rire, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et aujourd'hui, on sait scientifiquement que le rire, a un bénéfice qui est énorme pour le corps. Il est très positif. Donc vous riez, le cerveau perçoit le rire et il le transforme en action positive pour le corps. Donc au début, vous ne pouvez pas vous dire « je vais péter de rire pendant une minute non-stop ». Vous n'y arriverez pas. Et en plus, vous vous sentirez bête. Enfin, en tout cas, moi, je me sentirais bête si là, instinctivement, la première fois, je m'étais dit « Allez, rigole !» Tout seul, naturellement, pendant une minute. Donc, le but, c'est qu'au début, de se forcer un petit peu avec des étapes qui permettent d'avancer sur ce chemin. Et le plus on pratique, le plus ça devient naturel. Et on sent les bénéfices très rapidement. Et deuxième partie, donc la pratique, moi je vous conseille, si vous le pouvez, faites-le tous les jours pendant quelques secondes en vous regardant dans les yeux devant le miroir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on fait vraiment sortir des choses inconscientes, mais on le fait de manière consciente, surtout quand on se regarde dans les yeux. Allez, c'est parti, ça va durer quelques secondes. Vous faites l'exercice avec moi, sinon c'est inutile et c'est vraiment dommage. Donc là, en plus, je suis sûr que si vous êtes peut-être tout seul, alors vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Alors comment on fait? Au début, on imite le rire. Alors en une étape. Ha! Allez-y, faites-le avec moi. Deux fois. Ha! Ha! Trois fois. Ha! 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 Quatre fois. Ha! 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 Cinq fois. Ha! 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 J'ai peut-être fait six fois, je sais pas. Vous avez vu? Si vous continuez sur cette lancée-là, ça va partir tout seul. Faites-le chez vous, entraînez-vous, c'est extrêmement simple et c'est hyper bénéfique. Enfin, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux et de manière consciente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. Et pour terminer, si vous le souhaitez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton abonné sous la vidéo ou vous pouvez même lâcher un petit j'aime si le contenu vous a plu. À bientôt.